Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, Cosmic Ghost Rider contre le Dark Hawk du Summer of Pain. Donc ceci est une vidéo sur le petit compte puisque je n'ai pas Magneto sur le petit. Alors, je me dis, je vais prendre mon champion qui a le plus gros potentiel de dégâts et essayons d'y arriver. Alors maintenant, je décide d'essayer de monter un SP3, même pas, donc je lance un SP2 avec le buff de cruauté et j'essaie, lorsque je lance mon SP2, d'être le plus près possible de la troisième barre de pouvoir. Donc, le but aussi est d'empêcher Dark Hawk de lancer son SP1. Donc, si je n'accomplis pas des missions, eh bien, je recule le plus possible et je fais en sorte d'aller chercher la reparade. Donc, je bloque le premier coup et je parade le deuxième. Donc, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Je parle beaucoup de la reparade. Donc, la reparade est une très bonne solution pour ce Dark Hawk. Si vous avez assez de santé, si vous êtes assez téméraire aussi. Donc, après un gros SP2, je lance un SP3 qui réinitialise tous les missions. Donc, je bloque presque tout le SP1. Ensuite, le but, c'est de monter en SP2 et d'enchaîner des gros SP2 puissants. Donc, mon buff de précision, je l'ai perdu. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas faire en sorte de faire le plus gros SP2 possible. Mais le but est toutefois de le faire. Donc, mais je vais aller chercher, je crois, un autre SP3 puisque je vais avoir deux buffs de furie à mon actif. Donc, je vais perdre un buff de furie rapidement, mais pendant que j'ai le buff de furie, je vais pouvoir faire un maximum de dégâts tout de même. Alors, c'est très fait. Donc, il me reste 34%, il lui en reste 60, donc c'est très chaud. C'est très risqué comme combat, donc ce n'est pas un combat qui est facile. Donc, il faut aller chercher le bloc le plus possible et créer de la distance le plus possible afin de lui éviter qu'il lance CSP. Et là, il me reste 15%. J'ai tapé deux fois dans sa garde qui m'infligeait des dégâts. Donc, c'était un très, très, très mauvais jeu de ma part. Et là, j'ai mon buff de précision. J'ai deux buffs de cruauté, un buff de furie. Alors, on fait de très gros dégâts. On a fait un très gros SP2. On parade 3-4 coups, 3 coups maximum tant que le bouclier est actif de Dark Hawk. Et on termine avec un SP1. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à passer le Summer of Pain sur le petit compte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.